localiser visuellement les pertes énergétiques des bâtiments. Un hélicoptère a procédé ce matin à une thermographie aérienne par infrarouge des bâtiments des communes de Mérin et de Verny. Je mets en route la caméra. Connect. Donc c'est celle qui est devant le... C'est celle qui est sous l'hélicoptère, dans la sphère. Les déperditions, on les aperçoit dans les couleurs jaune, rouge, blanc. Les bâtiments récents seront beaucoup plus isolés que les bâtiments anciens. On a des usines récentes qui seront très bien isolées, des bâtiments, des habitations anciennes qui seront beaucoup plus déperditives. Ça dépend également du nombre de cheminées sur les industries, etc. Ça dépend aussi du nombre de baies vitrées sur les bâtiments. Donc à 30%, les déperditions se font par le toit. Aujourd'hui, grâce à la détermination de la ville commune de Vernier et de Mérin, nous avons pu faire cette thermographie. Elle a pour but d'encourager l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'à partir de cette thermographie, on voit quelles sont les pertes énergétiques et après, on a des contacts avec les propriétaires, que ce soit des institutions ou des privés, on a des contacts pour imaginer des travaux qui nous permettront d'être plus efficaces en matière d'énergie.